j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va bien, même si bon là je fais une vidéo, vidéo réponse, vidéo insulte, on sait pas trop, c'est entre les deux, hein, vous me direz. Bon, je préviens quand même certains auditeurs, parce que j'ai déjà lu 2-3 commentaires sur des autres vidéos là sur YouTube. Il faut pas que vous soyez choqués, parce que vous entendez des gros mots comme ça qui se baladent de temps en temps. Ou alors si c'est un petit peu direct, un petit peu franco comme ça, si je mets pas de gants quand je parle ou des trucs comme ça. Bon, avec mes petits abonnés, ça devrait passer tout seul quand même, hein. Ils doivent avoir l'habitude, hein. Ils savent ce que je fais comme vidéo, hein, mes petits coups de gueule et tout, ma façon de parler. Avec eux, ça ira, c'est sûr, hein. Enfin, je dis ça pour les autres, hein. Mais franchement, est-ce que vous croyez qu'on va choisir des mots avec des pincettes, hein, qu'on va faire de la diplomatie, là, ou je sais pas quoi, alors qu'en face, on a des blaireaux qui parlent, ils savent même pas ce qu'ils disent, ils savent même pas de quoi ils parlent, ils font du mépris, c'est de la méchanceté gratuite, ils nous crachent dessus et tout. Ah non, attends, non, on va pas s'emmerder avec des blaireaux comme ça, non. Donc voilà, hein, vous êtes préviendus, hein, et comptez pas sur moi pour faire une vidéo excuse le lendemain, hein, et puis revenir la queue entre les pattes, hein. Celle-là, tu peux toujours l'attendre. Donc il s'agit du père Nagui, hein, vous devez probablement le connaître quand même, parce qu'il a quand même une certaine notoriété, l'animal, hein, le bonhomme, hein. Il s'en sert à mauvais escient d'ailleurs, là. Mais avant qu'on écoute son claque-merde, vous trouvez pas qu'il y a comme une petite ressemblance là avec c'était comment déjà Non, pas Harrison Ford, non. Non, bah pas Brad Pitt non plus, hein. DiCaprio aussi, bah oui, bah non. Et George Clooney, oui, non. Hein, pas Matt Damon non plus, hein. Non, Clint Eastwood non plus, hein. Non, bah Jude Law maintenant, hein. Oui, Travolta, oui, allez, non, pas non plus, non, Keanu Reeves, Tom Cruise, non, De Niro, non. Non, Pacino non plus, hein. Ah, voilà. Un iguane sorti tout droit de Jurassic Park. Sur votre droite, vous pouvez admirer le premier dinosaure du circuit appelé Iguanodon tout pourri. Nous savons maintenant qu'il avait la particularité de cracher un venin dégueulasse pour immobiliser ses proies les plus connes et raconter de la merde selon son bon plaisir. Bienvenue à Jurassic Park! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Nagui? Alors, j'ai bien essayé de sélectionner des passages définis, hein, choisir des moments précis quand ils ouvrent leur claque-merde. Mais c'est pas possible, hein, parce que c'est trop le bordel, quoi. Ça arrête pas de se couper la parole et tout, la chronique, on n'arrive pas à suivre, quoi. Hein, principalement grâce à lui. Vous admirerez sa galanterie, oh mec, hein, ça fait mal, hein. Donc je vous laisse le lien dans la description, si ça vous intéresse, vous irez jeter un œil, hein. C'est pas non plus une vidéo très difficile à trouver. Mais bon, voilà, hein, je vais me contenter de vous expliquer vite fait, hein, brièvement, et très simplement, ce qui se passe. Donc, on a Nagui qui comprend clairement pas, c'est pas possible, ça rentre pas, qu'on puisse gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo, hein. Ouais, quand t'es un bon joueur de jeux vidéo, Nagui, tu peux gagner de l'argent. Voilà, est-ce que ça paraît si dingue que ça? Franchement, enfin, je sais pas, ça me paraît évident, moi, c'est logique, hein. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment sur le service public avec les joueurs de jeux vidéo, mais on n'arrête pas de s'en prendre plein la gueule, hein. Donc voilà, hein, tout le long de la chronique, c'est ça, hein, il va faire de l'ironie, du sarcasme, hein, il va tourner le secteur vidéoludique en ridicule, il va faire passer les joueurs de jeux vidéo pour des crétins finis, hein, des pauvres gars, hein, je sais plus trop ce qu'il dit d'ailleurs, comme merde, mais bref, hein, il va faire aussi de l'humour de merde, ça je tiens à te le dire, Nagui, t'as un humour de merde, hein, ça me rappelle le père de Cône, là, hein, tous ces vieux animateurs tout pourris, là. Les seuls qui vous faites rire, les mecs, c'est vous-même, hein, ça s'entend bien, et aussi des lobotomisés de la tête, mais c'est tout, ça vole pas haut, quoi, hein.
Enfin, c'est comme d'habitude, quoi, hein. La France, hein, 10 années de retard, grâce à ce genre d'individus, là, hein, qui sont réfractaires à l'évolution, là, qui veulent pas entendre parler de progrès, ou trop d'un coup, ça passe pas, hein, ou qui font semblant de pas comprendre. Donc, merci pour ça. D'ailleurs, bah, ils trouvent rien de mieux à faire, hein. Ils trouvent rien de mieux à dire pour nous dévaloriser. Ils nous comparent à ces lecteurs de livres. Hein, il le dit, hein, il dit « Nous, on a des lecteurs de livres !» Eh ben écoute, c'est bien, Nagui, hein. C'est cool, tant mieux pour toi si ça te fait plaisir, hein, si t'arrives à prendre ton pied comme ça, c'est bien. Mais, enfin, je veux dire, t'as pas l'air d'être trop au courant non plus, mais tu sais, sur le marché de l'édition, tout ce qui se publie, c'est pas forcément de bonne qualité, hein. Ah, c'est pas automatiquement des best-sellers, hein, qui sortent. Des livres de merde, ça existe aussi, hein. Je crois qu'il y en a même à l'appel. De la merde, il y en a dans à peu près tous les domaines, hein. Je veux dire, des musiques de merde, hein, des films de merde, des sculptures de merde, des peintures de merde, des jeux de merde, oui, il y en a aussi, des jeux vidéo de merde, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, justement. Et bah, de la littérature de merde, hein, ça existe aussi, hein, Nagui, hein. Donc tout ce que tu fais, là... Hein, c'est passer pour un couillon en disant ça. Hein, la seule réflexion que j'ai, moi, en entendant ça, bah, c'est de me dire, bah tiens, bah, le Nagui, bah, il a pas dû lire tant que ça, en fait. Hein. Il a pas dû lire assez pour tomber au moins une fois sur un bouquin de merde. Voilà. Donc, être célèbre, c'est une bonne chose. Hein, mais ça te dispense pas bah, de fermer ta gueule pour éviter de dire une connerie, hein, de temps en temps. C'est quand même pas toi qui va nous expliquer ce qu'on doit faire pour se coucher moins con le soir. Hein, Nagui, s'il te plaît. Tes lectures, moi j'ai bien envie de te les laisser. Quand on voit les espèces de frappadingues que tu reçois dans tes émissions, hein, espèces de psychos pervers là, qui se rendent des bras et je sais pas quoi dans le cul, là. Hein, ils en ont fait leur fonds de commerce en famille, les mecs, et toi de ton côté, t'es payé à recevoir des mecs comme ça. Hein, et après, il va jouer les scandalisés, là, parce qu'il y a des gars qui gagnent de l'argent en jouant au jeu. Et va te cacher, Nagui, hein, cache-toi, arrête de parler, va te cacher, voilà. Hein, plus c'est dans la décadence et dans la dégénérescence, plus il trouve ça normal, le mec, hein, manifestement, hein, mieux ça passe. Eh ben, bravo, bravo, c'est sûr que c'est exaltant, ça, pour le genre humain, connard. Je suis une connasse, parfois je nage dans l'eau. Je suis une pétasse, j'ai touché l'eau, c'est humide. Comment expliquer que je ne sais pas quoi dire? Il faudra peut-être qu'on m'éclaire, ma lanterne toute pourrie de merde ficelle pute. Ah oui, j'ai failli zapper, mais y a encore un autre claque-merde dans le groupe. Laure Manaudou. Vous savez, hein, c'est les espèces de bonnes femmes là, qui essayent d'apprendre à nager. Là. Hein, la pseudo-nageuse. Ah, c'est une vraie nageuse! Eh ben, pas en Chine. Hein. Et alors, elle s'oppose catégoriquement aux jeux vidéo. Alors là, faut pas déconner avec ça. Hein. Elle le dit, hein, moi je préfère savoir ma petite fille en train de jouer avec les papillons et les escargots que devant un jeu vidéo. Alors là, c'est pas question. Hein. Donc, bah, si on veut bien, avec une certaine interprétation, bah, c'est un petit peu ce qu'elle nous suggère à tous de faire, hein, les copains. Hein. Si on veut avoir l'air moins abruti, faut aller dehors et jouer avec des papillons et des quelqu'un. Qu'est-ce qu'on rigole ? Bon, c'est vrai que moi, dans ma collection de jeux, c'est beaucoup de jeux interdits aux moins de 18 ans, quand même. Hein. C'est sanglant, macabre, hein, c'est violent, il y a des cadavres partout, c'est du shoot, du tir, enfin, hein, c'est des boyaux et tout. Hein.
Mais bon, c'est pas à cause de ça que je me suis retrouvé à poil sur Internet. Hein, je crois qu'il faut le dire aussi, ça, hein, quand même. Hein. Bon, après, je comprends bien qu'à force de nager, t'as fini par avoir la tête pleine d'eau. Mais il n'y a pas que des jeux violents et bourrins, tu sais. Il y a des jeux pour les enfants aussi. Hein. Il y a des jeux spécialisés pour leur éveil, hein, conçus et configurés pour que ce soit super facile pour eux et qu'ils apprennent en s'amusant. Il y a des jeux éducatifs pour apprendre la musique, l'alphabet, hein, les chiffres, hein, la géographie aussi, etc. Hein, et l'autre, elle dit qu'elle a toujours été contre. Mais lol, quoi, lol. Elle va en faire un casson de sa piote, là. Il y en a plein des jeux pour les petites nanas. Il y a Theme Park, je sais pas moi, même les Sims, il y a combien de Sims là, hein, Animaux et compagnie, je l'ai aussi celui-là. Hein, un vrai gamin peut jouer à ça, quoi. Il y a aussi Dora ou je ne sais quoi. Nintendogs aussi. Ah, c'est quand même pas avec ça que ta fille elle va devenir une délinque. Bah, c'est pas l'autre blaireau ça. Oh, je comprends plus rien, moi. Et les jeux Disney, alors? Tu vas pas me dire que t'as jamais apprécié un dessin animé Walt Disney, quand même. Hein, tu vas pas nous faire croire que, pour Noël, tu préférerais offrir à ta fille un papillon crevé avec un escargot, plutôt qu'un jeu vidéo La Petite Sirène. Ouais, alors, bon, bah là, il y a une petite coupure, hein, vous voyez, mais je vais vous expliquer ce qui se passe, en fait, c'est que bah, c'est ma vidéo, en fait, elle s'arrêtait là, quoi. C'était pas la fin, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose pour continuer, je savais pas trop quoi faire pour la terminer, en fait, et il fallait trouver quelque chose qui soit logique et tout, et en fait, ça stagnait comme ça depuis quelques semaines, hein, je vous mens pas, hein. J'y pensais, j'arrivais pas à trouver quelque chose. Et alors, hier matin, hein, donc le 14 décembre, aujourd'hui on est le 15, j'ai dû rebosser un petit peu deux, trois petites choses parce que je parlais tellement vite dans ma moustache et tout, que j'étais tellement sur le cul qu'il a fallu rebosser les trucs parce que sinon, je pouvais pas mettre ça en ligne, quoi. Donc j'ai recommencé et tout. Mais je me baladais sur Facebook et y a un ami Poupoun qui a partagé un article en fait. Et en fait, Laure, tu connais très bien Walt Disney, en fait. Non, mais sérieux, vous avez vu ça? Hein, elle emmène sa petite fille, là, dans le parc d'attractions, pour aller voler dans les magasins. Ouais, non, mais ça, en fait, ça sert à rien du tout que je fasse une vidéo, là. Je suis en train de m'en rendre compte, ça, à ce stade-là, ça sert à rien du tout, hein. Que je m'explique, que j'essaye de d'expliquer ce qu'il y a de bon dans un jeu vidéo, objectivement, que je défende la communauté des gamers ou quoi, que je donne mon avis, là, sur ce que pensent des espèces de ratés, en fin de compte. Hein, bah, ça sert à rien, quoi, ça sert à rien, hein. Attends, même les assistés, ils se comportent mieux que ça, quoi. Alors, entre l'autre pingouin, là, qui a tellement fait le mariole sur les plateaux télé, qui l'a complètement zappé, qu'il avait fait une pub pour un jeu vidéo, et toi, là, qui fais n'importe quoi avec ta gamine. Ah, mais tu ferais mieux de lui lire des contes, hein, ta piote. Parce que, je veux dire, là, le sens moral, à mon avis, elle va ramer un petit peu avant de la voir. Hein, je te rappelle quand même que t'es célèbre, au cas où, je dis ça, si ça peut te mettre la puce à l'oreille. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pas pouvoir lui cacher grand-chose. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, on s'arrête là, mes petits amis. Et puis voilà, ça sert à rien d'expliquer ou d'aller plus loin ou quoi. Ça sert à rien du tout. Hein. Vous verrez que la semaine prochaine, elle va nous dire que GTA V, c'est trop violent pour sa piote. Alors elle préfère lui enseigner elle-même le trafic d'armes. Hein. Hein, ça va être ça. Hein. Donc voilà, je vous fais des bisous partout, mes petits amis. Et je vous dis à la prochaine vidéo.